Je m'appelle Raph Kachadorian. Bienvenue dans ma vie délirante. À vous de jouer, les gars. Ne me dis pas que t'as encore dessiné toute la nuit. Je sais que c'est une nouvelle école, mais il y a tout un monde qui t'attend. Là-dedans aussi, il y a tout un monde. Ça, c'est ma sœur Georgia. Non, elle a encore pris la voiture. Elle va me faire arrêter. Eh oh, est-ce que j'ai l'air de rajeunir? Continue comme ça et t'auras pas l'air de vieillir non plus. Lui, c'est le nouveau copain de ma mère, Carl. Recherché. Comment se débarrasser d'enfants encombrants? J'appelle non, maman. Non, fais pas ça. Non, mais... Hé, hey, maman, je perds le signal. Salut. Et lui? Un moment. C'est le directeur de l'école, Dwight. Tout ce que vous portez enfreint le règlement 22. C'est quoi le règlement 22? Voici le code de conduite. Lisez-le. C'est quoi ce t-shirt? Il n'y a personne qui veut savoir où seront vos futurs poils. Je sens que l'année va être longue. Défendu de flâner. Allez, grouillez-vous. Intense, hein? Sérieux, on se croirait en prison. Défendu d'apporter sa nourriture. De parler. Ou de rire. Défendu d'aller aux toilettes. C'est toujours comme ça, ici. Compris, Raph? Parce que c'est moi qui fais la loi. Ça, c'est super drôle. Votre cahier, jeune homme. Règlement 26, lisez-le. Tout contenu inapproprié sera détruit. Qu'on m'apporte le seau jaune. Vous ne pouvez pas faire ça. Ces dessins sont toute ma vie. La créativité n'a pas sa place dans cette école. Les règles sont les règles. Le directeur, il est nul. Qui ne risque rien à rien. Il faut qu'on se batte. Il est grand temps que les élèves prennent le pouvoir. Écoutez, tout le monde a reçu sa mission. On va enfreindre chacun des règlements du code pour faire tomber le directeur. Ok, Kachadorian, j'embarque. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie d'arriver tôt à l'école. Vraiment? Ah! Oh mon Dieu! Ça aurait pu être moi! Si tu te fais prendre, tu sais où tu vas aboutir. En prison. Croyez-moi, je trouverai les coupables. Ils paieront. Le micro est défectueux, monsieur. J'ai vraiment de grosses fesses! C'est une bonne journée. Celui qui a fait ça est dévoué à son art.